Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Paladrone. Aujourd'hui, je vous propose de faire voler le Sony Alpha 7 III. Donc, dans cette vidéo, il y aura deux grandes parties. La première, c'est comment on installe et comment on équilibre le Sony Alpha 7 III sous le Ronin MX. Et la deuxième partie, c'est comment on l'accroche et on le connecte aux matrices 600 de manière à voir le retour vidéo et le déclenchement des photos. L'intérêt d'une telle solution, c'est qu'ici on va pouvoir emporter le Sony Alpha 7 III, donc c'est un capteur plein format qui dispose d'une bonne plage dynamique. Aussi, l'ensemble matrice 600 Ronin MX, ça nous limite pas en termes de matériel embarqué, on va pouvoir évoluer en termes de caméra ou d'appareil photo, et puis par exemple aussi emporter des appareils photo qui permettent de la photogrammétrie avec une très bonne résolution. Les limitations d'une telle configuration, c'est que depuis le sol, on aura juste le retour vidéo pour cadrer l'image et la possibilité de déclencher la prise de vue à distance avec le module Start-Stop de chez DJI. En revanche, on ne pourra pas piloter les paramètres vidéo et les paramètres photo du Sony. Ici, on voit bien le module Start-Stop de contrôle à distance et le câble RSS avec ici sa petite diode infrarouge. On va bien diriger ici vers le récepteur infrarouge du Sony. Donc cette vidéo, ce sera principalement un guide pas à pas pour installer le Sony Alpha 7 III sous le Ronin MX et d'accrocher tout ça aux matrices 600. Il y aura deux parties. La première, c'est l'installation et l'équilibrage sur le Ronin MX. La deuxième partie, ce sera l'accrochage et la connexion aux matrices 600. Donc on attaque la première partie qui est l'installation du Sony sur le Ronin MX.
Autre info, vous trouverez sur ma chaîne plusieurs tutos sur l'utilisation du DJI Assistant pour régler tous les paramètres du Rona MX. On peut les régler depuis l'application smartphone ou depuis le logiciel dispo sur PC et Mac. Et puis également, le montage d'une caméra de type GH5 ou de type Sony AX100 sur le Rona MX. Montage, équilibrage qui ont été également décrits sur la chaîne de Paladrone. Donc dans la partie précédente, on a vu comment installer un Sony Alpha 7 III sur le Rona MX et quelle est la méthode pour avoir un très bon équilibrage. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'attacher le Rona MX avec son Sony Alpha 7 III sur le Matrice 600. C'est parti! Voilà, notre configuration est prête à décoller. On a bien vérifié l'ensemble des réglages. On a un Rona MX avec un appareil photo qui est bien équilibré. La connexion qui est faite au Matrice 600 et on va pouvoir aller sur le terrain pour faire les essais en vol et quelques prises de vue aériennes. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Ma principale utilisation de cette configuration, ça va être la photo aérienne, puisque là j'aurai tout le bénéfice du capteur du Sony Alpha 7, donc c'est un capteur plein format avec une grande plage dynamique.
Et l'autre intérêt pour moi, c'est que je peux facilement passer du mode aérien au mode Steadicam, puisque le Rona MX va très rapidement se déconnecter du Matrice 600 et pouvoir s'installer sous ce volant. Voilà, donc là je vais vous faire la démonstration de comment on passe du mode aérien au mode terrestre. Donc j'ai le câble HDMI à déconnecter du Sony Alpha 7 et du Rona MX. Ensuite on a le câble CAN qui va du Matrice 600 au Rona MX à déconnecter, et puis je dévisse la molette ici, et là je vais pouvoir extraire le Rona MX, et puis j'ai plus qu'à le connecter à mon volant et puis à verrouiller. Donc voilà, je passe très rapidement, on allume et je passe très rapidement du mode aérien au mode terrestre. En pratique, on utilise un écran de contrôle au-dessus avec une connexion à faire sur l'appareil photo, mais ça vous montre déjà que passer du mode aérien au mode terrestre est une opération qui n'est pas très compliquée et assez rapide. Voilà, donc j'espère que cette présentation du Sony Alpha 7 III en mode aérien vous aura été utile. J'espère que ça répondra à la demande. Je vous dis à bientôt sur la chaîne de Paladrone. Merci.